Yep tout le monde, yep, j'espère que vous allez bien tranquillement, on se retrouve sur Factorio, et j'ai, comme je vous l'avais dit, commencé un petit peu le système des panneaux solaires. Alors, c'est un peu bien dit les panneaux solaires, donc j'ai juste ramené l'acier et le copper, parce que c'est deux éléments principaux pour ça, mais il y a surtout le fucking circuit. Et le fucking circuit, alors, soit j'ai la possibilité de le ramener d'ici, qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Cependant, j'ai bien envie juste de le ramener. Il me faudrait des convoyeurs. Hop, cherchons des convoyeurs, tiens. Les convoyeurs, on peut en trouver où en quantité assez astronomique? Là-bas, on n'en trouve plus. Ah. Faudrait que je le laisse assez longtemps, lui. Est-ce qu'il en reste beaucoup? Ah, il en reste plus beaucoup, en fait. Ok. Faudrait que j'augmente la... Alors, c'est quoi? C'est la prod rouge-vert en tant que fer. Alors, attends. Prod. Circuit vert. Prod fiole. Ah bah tiens. Ah, 120 secondes quand même, hein, je l'ai mis. Ah, pourtant... Ah bah oui, mais attends, forcément. Forcément, si je lui dis pas de faire ce qu'il faut aussi... Voilà, là, il en aura beaucoup plus. Bon, en même temps, moi, tu vois, je vais en récolter quelques-uns, là. Parce que j'en ai besoin. Et j'ai besoin de faire surtout mes circuits en fait. Voilà. Bon. Alors, il m'en faut 24. Il me faut du fer. Hop, merci. C'est fort sympatoche à toi. Ne pas passer quand il y a un train qui passe. Parce que alors là, c'est le bon coup. Pour se faire défoncer la face. Alors, du coup, j'ai besoin de ces petits bras-là. Et des bras-là. Hop. Hop, en circuit. Tac, tac, tac. Alors ça, c'est la sortie. Et du coup, j'ai besoin de ça, qui va aller là aussi. Alors, hop. Il va me falloir deux comme ça. Ça va coûter extrêmement cher. Il va falloir une minute pour faire deux comme ça. Mais en tout cas, ça va être pratique du fait que, déjà, on va recommencer la production de circuits verts. Parce que c'est pas que, mais en fait, c'est... Ah, ah. C'est pas si plein que ça. Ah, si, il y a certains trucs qui y est plein. Ça va, c'est largement suffisant. Puis tu vois, il y a encore le copper qui suit derrière. En tout cas, au niveau prod, ça suit bien. Je suis plutôt surpris par la puissance. Ah oui, j'allais me dire pourquoi il se passe là. Alors, j'ai augmenté ça. Parce qu'en fait, là, il y a certains trains qui se bloquent. D'ailleurs, toi. Peut-être que je te bloque aussi en avant. Voilà. Voilà, comme ça je les bloque en avance, comme ça ils sont pas sur la même ligne au cas où. D'ailleurs, et comme j'aime bien que les trucs soient synchronisés. Voilà. Comme ça en fait, eux, ils s'arrêtent s'il y a un train éventuellement qui passe. Quoique j'ai mis un segment ici. Ah, j'aurais pas dû mettre le segment là. Parce que j'ai mis deux autres segments en fait. Ouais, bon, on verra. On verra si ça passe. Si ça passe pas, je ferai ce qu'il faut. Alors, du coup. Tac, on le tournera après. C'est pas un problème. Voilà. On va continuer. Hein. Voilà. On va continuer à la longueur
quand même maximale du truc. Voilà, c'est magnifique. On va continuer tout droit tant qu'à faire. Va m'en falloir encore. Putain, c'est fou, hein. Il faudrait vraiment que je me fasse une production importante de convoyeurs là. D'ailleurs, j'avais pas fait un truc de convoyeur auto. Moi, je dirais bien que si, mais je me rappelle plus que j'ai foutu. Ah, oh, bah il y en a 315. Ah, bah attends, on va aller chercher. Elle est où la prod? Oups. Oh, putain, j'ai failli la défoncer à fond là, par contre. Faudrait que je les éclaire, les poteaux. Voilà. Bonjour. Je l'ai défoncé. Alors, oh, c'est cool d'avoir fait une petite prod ici. Ah, bonjour. Ok. Lui. Alors lui, il faudrait que je règle aussi son souci des feux. Des verts d'un côté et des bleus de l'autre. Je sais pas que, hein, mais y a toujours un problème. Bon, c'est pas grave, je ferai ce qu'il faut après. Hop, du coup, voilà l'avantage, du coup, c'est qu'on va pouvoir. Je vais faire un petit souterrain ici. Un petit souterrain pour lui, tiens. Hop. Là. Voilà. Ça, lui, souterrain. Ah, ça va être cool quand il y aura les robots. Quand il y aura les robots, ça va être cool. Tu pourras foncer dans les trucs, ils vont te les réparer. Oups. Pouf, pouf. Voilà, donc ça c'est bien, ça va produire du coup des panneaux solaires quand on va débloquer le truc. Donc on va le débloquer. Alors surtout je vais déjà mettre mes premiers circuits à moi-même. C'est pas que, mais j'en ai quand même beaucoup. Voilà, 150, comme ça le reste il est à moi. Voilà, comme ça, ça va rentrer ici. Alors il en faut 15 par panneau solaire. Donc j'espère que en tout cas derrière ça va produire suffisamment pour nous permettre d'avoir un rendement potable. Oui. Tu. Ouais, en fait j'aime bien le comment le son en fait qui procure. Du coup, bon, il faudrait trois autres. Il me manque du fer. Le fer, il me manque pas mal de choses. Hein. Allons chercher du fer. Oups, désolé. Ah. Tiens, on va tout prendre, hop. Ouh, c'est dangereux de passer par là. Voilà. Ah, quoi que ça a l'air de suivre, hein. Attends, est-ce que... Non. Est-ce que ça suit réellement? Ouais, en fait, ça suit parce que derrière... toujours en 9K. Il faudrait que je l'augmente, lui. Parce que lui, il sort par 2, lui, il sort que par 1. Attends, allons le modifier. Ouais, c'est ça, il le sort que de 1 par 1, il suit pas. Bon, en même temps, lui, après, du coup, il est plein et lui, il pourra remonter. Hein. J'en prends que la moitié. Allez.
Voilà, c'est deux par deux, c'est cool. Hop. Alors, du coup, m'en faudrait du coup 3. 1, 2, 3. Alors, du coup, là, sachant que maintenant, on fait des panneaux solaires. Ces panneaux solaires-là, on va devoir les transformer en panneaux plus élevés. Coût total, c'est ça. Mais bon, pour l'instant, moi, c'est autre chose. Voilà, panneaux évolués. Hop, les panneaux verts, là. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 15 circuits. Putain, ça va faire cher en circuit, par contre, hein. À un moment, je vais mettre une prod de ce qu'il faut. Hein. Panneaux solaires, du coup. Les panneaux solaires, c'est pas un problème, on va en mettre. Ça, c'est aucun souci. Du copper. On va devoir remettre du copper également sur le côté. Et de l'acier. Ça va coûter cher, par contre. Vrai qu'à un moment, ça va coûter assez cher. Lui, du coup, bah, on va pouvoir le dévier. Voilà. Par 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lui, on va pouvoir le mettre là. Donc ça c'est déjà bien. Donc ça va mettre les panneaux solaires, ça va mettre le copper. On va devoir aussi également mettre le circuit. Par contre, on va faire ça comme ça. Donc les circuits. Convoyeur. Voilà. Hop, on va se mettre un petit souterrain. Vas-y, donne-moi mon petit souterrain, s'il te plaît. On va commencer à mettre les panneaux en... Les... trucs en place. Là. Comme ça va faire le taf. Il nous faudra trois autres bras longs. C'est à eux, en fait. Pas à moi. Voilà. En train de me dire pouf pouf pouf. Donc du coup j'espère que en tout cas derrière ça va vraiment suivre les panneaux. Ça j'espère réellement que ça va suivre. Je vais mettre les panneaux là et du coup il me faut de l'acier. Alors l'acier tac tac. Le récupérer ici. Il va sortir là. Tac. On va tirer la partie centrale. Voilà. Il me faut deux accès souterrains. Et du coup, on va reprendre 1, 2, 3. Là, ça va être une partie plus complexe, hein, je te le dis tout de suite. En fait, limite, il faudrait qu'il y ait 5 fois la prod là pour produire un panneau. Mais on préfère, je préfère moi personnellement, faire une petite prod pour être tranquille. Vraiment pour être tranquille. Par contre, les engrenages, c'est assez chiant. Il faudrait que je fasse une prod de exprès d'engrenage, être tranquille. Ça suit derrière? Ouais, ça suit.
Si ça suit pas au niveau des circuits, je ferai une petite prod ici de circuits auto. Voilà. Ouais, magnifique. Alors, du coup. Il va falloir faire en sorte que. Voilà. Non, ça marche pas très bien. Attends. Je vais faire les choses différemment en fait. Tac, tac, tac. En fait, je vais faire du splitter. Trois splitters. Hop. Bon, j'en ai pour longtemps. Qui va splitter, splitter, splitter. Voilà. Comme ça, ensuite, je vais pouvoir récupérer les panneaux de l'autre côté. Et faire des petits tunnels comme il faut. Ah. C'est cool de voir des panneaux verts sortir. Alors, du coup, premier, deuxième, troisième. Voilà. Donc ça, je peux le ranger, je peux le ranger. Et du coup. Là, je le mets là. 1, 2, 3. Moi, je vais en mettre que 2, tiens. Donc lui, il sort ici, va là. Donc on va faire tout rejoindre ici. Voilà. Et lui, il va mettre tout ça dans un coffre. Et on aura une production de panneaux solaires. Une grosse production de panneaux solaires. Vas-y, aboule-moi le deuxième. En tout cas, je suis content. Non, franchement, je suis très content de faire enfin les panneaux solaires, les vrais. Il m'avait dit aussi que ça vous embêtait de ne pas voir les constructions. Donc, pour ça, je recorde vraiment à la suite. Oh, regardez-moi ces petits panneaux solaires. Oh, des petits panneaux solaires qui sont ouverts. Oh. On en a 16. 16 fois 300. 16 fois 3. 48, ça fait 4800. Oh, ça fait déjà 4 mégawatts. 4 mégawatts d'énergie rien qu'au panneau. C'est pas plus mal parce que ça commence à être très très léger. Très très height. Pourquoi j'ai du... Ok. On va les foutre à l'eau. Bon, ça va pas dans l'eau, mais bon. Tu m'as compris. Alors du coup, bah, on a des panneaux. Je suis content, on en a 16 là actuellement. On va pouvoir... Un peu le bordel, hein. Je t'avouerai que c'est un tout petit peu le bordel. Est-ce que ça suit derrière? Ça descend un peu, mais ça va. Puis on pourra rajouter des, on pourra faire ce qu'il faut un peu plus tard. Au niveau de d'une prod, je ne sais plus laquelle. Ouais, de cela. Wagon vide. On va faire déjà un truc. Alors déjà on va réparer ça. Très clairement. On va faire en sorte que les fioles de toutes les couleurs. C'est un coffre en. Oh putain, c'est un coffre en acier, il est déjà plein. Oh, les fioles rouges, je vais devoir les arrêter un peu là. Parce que. Les fioles rouges sont où? La prod de fioles rouges, c'est où des... S'il vous plaît.
La prod de fiole rouge. Elle se trouve là-bas. Arrêtez la prod de fiole rouge. Oh, putain, j'en ai un paquet. Pouf. Bon, on continue la fiole de potion rouge, mais... Mais je vais l'arrêter au moins jusque-là. Quoi. Voilà. Et je vais plus en charger. Les fioles vertes, ça va, on peut en charger encore, je pense. Les fioles bleues, j'en ai encore 209. Fioles. Chargement pour... Ok. C'est pas des charges... Si, c'est des chargements haute capacité. Ah! Qu'est-ce qui consomme autant? À part les fours. Ah si, c'est les fours qui ont repris le... Hein? Mais... Bidou. Ah bah oui, il se charge, donc du coup t'as... Oh, ok. Vivement qu'on mette les panneaux solaires en place. Bonjour. Je viens de refaire le petit plein. Ok, donc les panneaux là ont besoin de ça. Ok. Ok, ok. J'aime bien ceux-là, ils sont 64 par 64. Là, on peut les faire à la main, mais ceux-là, on peut les faire plus gros. 64 par 64, ça peut être bien. Hein. Au niveau de l'installation électrique, ça évite des poteaux partout. Franchement, ça peut être bien. Du coup, bah, les panneaux, ça suit là. Il faudrait que je fasse les accumulateurs. ça va être plus compliqué. Mais en tout cas, ça peut être bien. Il y a ce qu'on appelle aussi... des circuits avancés qu'on puisse faire, se faire les... Fucking robot de construction avec des robots-portes. Ça pourrait être bien. Ouais, ça pourrait être bien de faire des robots. Il y a un train qui arrive. Ouais, il y a un train qui arrive. Hop là. Et tout ce mur au vert. Ça, je trouve ça vraiment cool. Donc du coup, ici, on a 28 panneaux. Putain, ça y va vite, hein, quand même. C'est cool. Alors du coup, accumulateur. Là, je peux en refaire 3 sur moi, c'est cool. Bio Solar Farm. Ah, il faut du béton. Par contre, le béton, je sais pas comment on fabrique. Bio Garden. Ça, c'est pas mal. Ça permet de remove la pollution de... De notre zone qui est, faut dire ce qui est un petit peu hard, c'est un peu rouge. Hein. Bon, il y a surtout ça, hein. Mais une fois qu'en fait on aura les panneaux solaires, on sera complètement indépendant. Et du coup, ça plus trop besoin en fait. Donc, ça va être cool. Là, tu vois, on est redescendu parce que les fours ont. On finit leur disposition. Mais attends, les oranges, c'est quoi? C'est ça? Non, ça, c'est le vert. Ok, non, en fait, c'est bien les fours. C'est bien les fours qui consomment énormément. Après, c'est ça, les machines d'assemblage qui craftent un peu et ensuite qui décraftent. Ça fait vraiment yo-yo en fait, c'est cool. Du coup, allons faire les batteries. Donc je me fasse aussi d'exosquelette un jour. Ah non, c'était ça que je voulais faire. C'était les fioles, les fioles, répartition des fioles. Parce que c'est pas que, mais c'est un peu emmerdant tout ça.
Et en plus, il faut pas dire, mais c'est plein. Oh, il y a des engrenages. Ah, c'est cool. Alors, très clairement, il va falloir faire en sorte que bras robotisé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Oh putain, le craft. Bon, ça va que les circuits sont rapides. Ceux-là, ils sont plus longs, hein. 6, 12, 24, 36. Voilà, 36 secondes, plus saut, encore 1 minute 40, quoi. Ok. Bon, bah ça, je vais pas le faire avec vous, parce que c'est juste un méli-mélo de faire ça, les choses bien. Je vous donne rendez-vous la fois prochaine. Moi, je vais continuer à record un peu, pour avoir de l'avance dans les épisodes. Et du coup, rendez-vous la fois prochaine. La fois prochaine, on s'attaquera aux accumulateurs avancés. Ça va être fini bientôt. Et on pourra, après les accus, Oh putain, ça stocke tellement. Ouais, en fait, ceux-là, je vais pas les faire maintenant, hein, très clairement. Ok, ça débloque ça, en fait. Okay. Elite Solar Panel. Ta-ta-ta. Sorti à 1,5 MW. Le panneau qui fait 1,5 MW. Lol. Sorti du panneau 60 MW. Tantantant. Putain, c'est pété. Hein. Bah, c'est pété. C'est cher, mais c'est pété. Ah ouais, bah, il en faut 252. Non, bah non, c'est pas maintenant que je vais les faire. Hein. Bon, ça, c'est en plus. Voilà, en fait, ça coûte cher surtout de faire ça. Donc. Bon, ça, on les fait. Ça, c'est pour faire des fours électriques. Bon, en fait, c'est les mêmes que j'ai, moi. Je crois qu'ils. Non, ils cuisent. Oh, je sais plus. S'ils cuisent plus vite ou pas. Mais bon, voilà. C'est lequel l'armure pour faire un exosquelette? Armure de puissance. Ah oui, il faut des moteurs électriques avancés. Il va nous falloir du lubrifiant. Ça va être la merde. Je te le dis. Bien, on va faire une petite recherche là, le temps que, et puis voilà. Bon, allez, sur ce, des bisous tout le monde, c'était EP. À la prochaine, des bisous, 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 bisous. Ça va être la merde quand même. Mais bon.